Bienvenue chers internautes sur Hippie Paul. Nous sommes actuellement avec le staff du label 2S Music. Je vous laisse vous présenter s'il vous plaît aux internautes. Donc moi c'est PH, ouais. Je suis le manager de Plecos, un rappeur là qui arrive là. Dans 2S Music c'est moi qui m'occupe de cet artiste là. Et là on a des projets pour toute l'année là, 2012-2013. Et un gros événement qui arrive pour septembre 2013. Ouais, bonjour, moi c'est JR, je suis l'artiste de notre ami Zika, qui fait partie du groupe du label 2S Music. Et c'est un artiste typiquement reggaeton, plus latinos aussi un peu, et qui lui aussi prépare de grosses ouvertures en France notamment, et des arrivées sur plusieurs sons et plusieurs bandes qui délirent. Donc attendez-vous à son arrivée au mois de septembre, sur toute l'année 2012-2013. Donc bonjour, moi c'est Passion, je m'occupe d'une artiste S, hein, donc une vraie artiste hein, donc qui monte en puissance et en fait et qui a beaucoup d'avenir dans la musique, on a beaucoup de projets. Hein, donc chose que je ne dirais pas vraiment, je ne pourrais pas développer tout immédiatement. Donc c'est une surprise d'ici cette rentrée. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Jack, je suis aussi un des managers de cette musique. Je m'occupe aussi de l'artiste S avec Patience en collaboration. Donc comme elle vous l'a dit, il y a d'autres surprises qui arrivent. Et voilà, tout au cours de l'année, on verra son évolution. Donc là, on a pu voir les managers de 2S Music. Moi, pour ma part, moi je suis Paul, on va dire directeur artistique en quelque sorte, parce que je supervise un peu le des managers. Et donc voilà, 2S Music, c'est un nouveau label de musique. C'est éclectique, on va dire. Il y a un peu de tout, il y a du reggaeton, il y a des artistes rap, il y a des artistes soul, R&B, voilà, il y a de tout. Il y a de tout dans l'équipe, il y a même des artistes reggae et dancehall. Donc voilà, les projets vont arriver chacun de son côté. Donc les gens ne vont même pas voir d'où ça vient. Et à un moment ou à un autre, les gens vont comprendre que voilà, 2S Music, c'est une grosse équipe, une grosse machine. Voilà, c'est un truc qui devrait quand même monter assez vite, je pense. Donc là, si vous voyez, aujourd'hui, on organise un barbecue, une bouffe, pour voir à peu près les gens qui peuvent nous amener la force. Et donc voilà, donc aujourd'hui, il y a pas mal d'invités, il y a des journalistes, il y a d'autres artistes du milieu, des grands artistes comme Chris, Colonel Réel, il devrait arriver bientôt. Ils viennent nous donner la force. Donc voilà, la 2S Music, c'est un label parisien et ça monte. 2S Music, c'est le label qui a été fondé par Siriki, qui est déjà connu dans le milieu. Je ne vais pas vous redire qui c'est Siriki. Donc voilà quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui monte. Et normalement, vous allez bientôt entendre parler de nous. Ok, bah, je vous remercie. C'est nous. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et big dédicace à David. Bienvenue chez les internautes, nous sommes avec Aziza Chivas et son manager. Bonjour Aziza Chivas. Bonjour. Bah écoute, on est là pour le lancement du label 2S Music. Nous sommes là aussi pour prendre quelques opinions des artistes du label 2S Music. Je te laisse te présenter aux internautes. Donc moi c'est Ajaz Chivas, accompagné de mon manager Black Ali. Donc je viens d'arriver chez 2S Music. Nouvelle. Et l'actualité de Aziza Chivas. C'est en préparation. On va bosser et on va arriver avec beaucoup de choses dans le futur. Donc c'est de plus concret, il y a un album qui se prépare, il y a un single qui se prépare. Qu'est-ce là, qu'il y a de concret Déjà l'écoute des prods. Ouais. Et on verra par la suite comment ça va se passer. D'accord. Ok, bah je vous remercie Aziza. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Écoutez, moi c'est Zika, chanteur de reggaeton, kuduro, tout ce qui est un peu dans le mouvement latino quoi. Et voilà, pour l'ouverture de S Music, on est là. On est venu ici. D'accord, mais comment s'est fait la rencontre de S Music et vous? Bah en fait, j'avais un caméraman qui a parlé de moi au label. Ouais. Donc le label m'a contacté et voilà, le manager JR qui m'a contacté aussi et maintenant on passe ensemble. D'accord, et ça fait combien de temps que vous connaissez votre manager? Un bon 2-3 mois là, qu'on se connaît et que, voilà, on travaille en sous-marin.
on prépare des projets lourds pour cette rentrée. Donc voilà, on a amené un décalage petit à petit. Et puis voilà, c'est comme ça. Et en ce moment, c'est quoi votre actualité? Pour l'instant, là, c'est la rentrée, donc c'est un peu calme. Ouais. Mais il y a 4 mois de ça, j'ai sorti mon dernier clip qui s'appelle Place Elegance. Et il y a juste avant de partir là au Portugal pour ma tournée, j'ai sorti mon dernier clip qui s'appelle Dalinda, qui tourne pas mal et en nocturne sur Radio Latina. D'accord, bon, un dernier mot pour les internautes. Pour Internet, ouais. Facebook, ouais. Zika, Google, Zika. Zika sur Google, on trouve tout. YouTube, Zika. Je prépare du lourd pour la rentrée 2012-2013, notamment fin septembre, début septembre, on va entendre parler de notre Zika. Et attendez-vous à ce qu'il fasse un petit buzz. Voilà. Ok, bah, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, moi c'est S. Je fais partie du label de S Music. Voici Jacques, mon manager. Donc moi, ça fait depuis toute petite que je fais de la musique, et en particulier là, c'est du R&B. D'accord. Et c'est quoi ton actualité en ce moment? Mais il y a plein de choses en préparation pour la rentrée. Là, oui. Là c'est un petit peu calme comme c'est la rentrée, mais ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont bientôt arriver. D'accord. Donc on envisage un album, un single, c'est quoi? Il y a beaucoup de titres, là, donc je pense que ça va être pour l'album. Avec des surprises? Il y aura des surprises dans l'album ou dans le single? Beaucoup de surprises. Ok, bah, je vous remercie. De rien. Voilà, moi c'est Plekos, artiste de Zest Music, avec manager PH. Et, d'accord. Plekos, artiste un peu rap, mais on est sur tous les terrains un peu aussi. D'accord, c'est du rap lourd. Ouais, comme je te dis, on essaye d'être un peu sur tous les terrains. Ouais. C'est d'être un peu sur tous les terrains. Pour moi, la musique, je la vois comme une humeur, frère. Ça veut dire, ça dépend de l'humeur. Si aujourd'hui le ciel est orageux, on va faire un son vénère. Si demain il va falloir faire la fête, on va faire un son pour faire la fête, normal. D'accord, ok. C'est quoi ton actualité à ce moment avec le label? Bah moi, en ce moment, mon actualité, c'est les digitapes. Ouais. Tu vois, ça va se passer en 4 saisons. Il y aura une digitape par saison. Ce sera en téléchargement libre. Et va falloir se tenir au courant. D'accord, et t'as un Facebook, un Twitter pour les internautes? J'ai un Facebook, mais ouais. Il y a un Facebook officiel qui va arriver. Ouais. Là, je suis sur mon Facebook personnel, Plekos pour mille. Ouais. Sinon, je suis aussi sur Twitter, Plekos. D'accord, ok. Ah, merci. Ok, pas de soucis. Merci à vous. Merci. Yes. Donc en fait, juste à côté de moi, donc c'est mon manager, donc Patience, c'est elle qui me suit en fait dans mon avancement, dans mon acheminement, en fait, dans tout ce que je fais dans l'univers de la musique. Donc moi je suis une nouvelle artiste donc, qui fait partie du label de S Music. Donc c'est assez nouveau, je viens de rentrer dans le milieu. Donc et puis j'avance, j'essaie d'avancer comme je peux avec mon équipe. D'accord. Et actuellement, c'est quoi ton actualité, Laura? Donc en fait, moi je suis avec S en fait, donc j'essaie de la suivre, et puis vu qu'on est sœurs, donc voilà. Et il y a des projets en ce moment en studio, ou des rencontres avec d'autres artistes, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a de concret? Oui, donc mais là par contre, je peux pas en parler, donc c'est une surprise. Ouais, c'est une surprise. Ça sera pour la suite, vous verrez ça après. En fait. D'accord, bah merci. C'est nous, merci. Merci.